C'est ouf comment ils connectent pas de neurones, quoi. Alors, c'était quelle salle? C'était de toute façon étage 1, c'est sûr, parce que l'étage 2, je sais que j'ai tout fait. Il me semble que c'est à droite. C'est ça, monsieur Bourg. Mince. Portez-moi un sandwich. C'est bon, un coup de hache dans la tronche, on n'en parle plus, non? Bon. D'accord. Attends, on va vraiment lui faire un sandwich là? Ok. Est-ce qu'on va lui faire ça? Dites-moi qu'on lui fait ça. Oh oui. Oh oui. Un sandwich à la merde. Oh. Pipe d'opium. Ok, et il y a là, il y avait un deuxième code. Ah ouais. Ouf. Je connais un SCP qui ressemble à ça. J'ai plus le numéro, mais le singe anniversaire. Ah, de l'opium, évidemment. Donc au bout d'un moment, je pense qu'il a demandé une pipe d'opium. Ça, c'est fermé, c'est évident. Et bien sûr, bon, le dernier symbole. Monsieur l'ambassadeur. Notre ami Kamma m'a informé à propos de vos addictions et de votre anxiété chronique. Je souhaite vous inviter à Rusty Lake. Notre établissement psychiatrique et de pêche de qualité sera vous apporter le repos. Ah ouais, plus que tu le crois. Respectueuse salutation, Mr. Hall. Bah, il a l'air bien, il a l'air détendu. Oh, d'accord, ok. Par contre, tout est devenu flou du coup. Il y a ça que j'ai pas vu. Papier toilette. Oh, bordel, il est en train de nous faire un aquarium, le bâtard. Oh merde, c'est quoi ce délire? Oh l'enfoiré! D'accord. Vous savez quoi faire? Bah, je crois, oui.
Oh, le bon gros trip! Bah vas-y, égorge-le-moi. Portez-moi un sandwich. Bah c'est bon en fait, il était déjà fini. Allez, tiens, ton sandwich à la merde. Oh, c'est élégant ça. Bon, ok. Ah, il y a peut-être un truc à faire avec son. Ah bah non, faut que je lui donne le PQ. Ok. On autre. Attendez, j'ai fait ça? Oui. Il y a un autre PQ. Il y a ces trucs-là. Ah, il est de retour. Ok. Sérieusement, encore? Mais... Bon, il y a un truc que j'ai mal fait. Il y a ça là. La bougie. Qu'est-ce que je peux en faire? Fallait compter le nombre de coups. Ok, super. Et maintenant? Ou alors faut faire ça pendant qu'il chie? Ok, on va faire ça pendant qu'il chie. Ah, bordel! Sombre. Ok. Bon, on va essayer de trop, on va essayer de faire ça, pas de souci. Alors, du coup, tout ça faut que ce soit en rouge, le reste en bleu. Du coup, ce qu'on va faire, c'est ça. C'est ça. Un marteau. Il faut le faire revenir des chiottes. Encore? Nique-toi.
Il manque encore quelque chose. Ah bah voilà les tomates. Y avait rien d'autre, hein, de toute façon, à ça. On va le laisser aux toilettes pour le moment. Y a un truc là. Il y a forcément un truc qui m'échappe. Oh bordel. L'élégance même. L'élégance même, je vous dis. Bordel de merde. Sanglier. Sauf que je vois pas trop qui va goûter notre plat du coup. Oui, j'allais dire, elle est où la clé, mais elle est derrière lui. Et ben voilà. Je vais servir ce repas à monsieur. Oh là. La nuit tombe. Une seconde.
voir Monsieur Hall dans sa chambre. Jamais cliqué sur la lampe. Ouais, peut-être que ça aurait pu m'aider à arriver à un moment, ça. Et peut-être un ingrédient secret qu'a-t-il y a, ça. Bon. Eh ben, un groom, deuxième étage. There we are. The last dinner. Thank you for all the memories. And Harvey, I'm really glad you brought the cigars. The lake will be grateful. Take a look at the black cubes, would you? Ah, bordel, je viens de comprendre. Ah, d'accord. Alors j'ai un souci, j'ai deux numéros 2. The memories are not only the key to the past, but also to the future. Have a look. D'accord. Oh. Zut, je peux pas. Wow, c'est extrêmement bizarre. Alors, finalement, je l'ai bien laissé. Enfin, vous l'avez vu, hein, j'ai laissé Paradox avant collection parce que je me dis que justement, vaut mieux peut-être faire les choses dans l'ordre non chronologique, anti-chronologique, j'ai envie de dire. Comme ça nous permet d'explorer on part du meurtre de Laura et on remonte l'enquête, puis on remonte les causes. Et même si c'est très ambigu, c'est à mon avis sujet à libre interprétation, mais ce qui se passe, c'est vraiment étrange, et surtout les animaux, le corbeau, tout ça, ils ont vraiment un background qui est particulier en fait. Obtenir toutes les étoiles pour découvrir un code secret. Je sais pas si j'ai toutes les étoiles obtenues. Ah d'accord, ok. Il manque un. Ok, faudrait que j'ai toutes les étoiles pour débloquer un truc secret. Bon, je sais pas. On le fera pas. Mais ouais, ok. Bah écoutez, c'était. Wow, c'était un super chapitre en tout cas. Rusty Lake Hotel. Bon, on apprend un peu sur Monsieur Hoyle, qui est en fait complètement psychopathe en fait. Et c'est lui qui serait notamment à l'origine des fameux cubes. Les cubes qui nous suivent tout au long du jeu.
Ce serait lui en fait le faiseur de cubes, le faiseur de cubes souvenirs. Et les noirs représenteraient le passé et les blancs le futur. Mais on n'a pas encore idée de ce que peuvent représenter les bleus. Parce qu'on a des cubes bleus aussi, qui nous accompagnent au fil des jeux. Peut-être qu'ils représentent le présent. Logiquement. Bref. Sur ce, moi je m'arrête là du coup, hein, c'est voilà. Et je vais commencer le prochain jeu qui est Rusty Lake. Tac, je regarde sur Steam. Paradise. Voilà, Steam Paradise. D'ailleurs, je vais télécharger aussi Roots, Rusty Lake Roots, qui sera le jeu encore d'après. Mais je vais lancer Rusty Lake Paradise. Et sur ce, je vous dis à bientôt.